Il n'est pas prévu d'évacuation par les forces de l'ordre. En tout cas, c'est les consignes que j'ai données au préfet, au directeur général de la gendarmerie, puisqu'il n'y a pas de dégradation sur ce site. Et je laisse évidemment le travail très important que fait le gouvernement avec les agriculteurs, voilà, qui subissent un moment difficile dans leur vie professionnelle. Et je vais évidemment politiquement soutenir, tout en les encourageant évidemment à respecter le bien commun. Mais c'est ce que font, en très grande majorité des cas, les agriculteurs.